On est au garage de la librairie des Bauges, donc c'est une salle qui est à côté de la librairie des Bauges, dans la librairie des Bauges. Et ça fait depuis l'année dernière, depuis le festival de l'année dernière, qu'on a commencé à organiser des concerts et des portraits d'artistes. Du coup, on a décidé là de servir de cette occasion-là, de ce qu'on fait au Jazz au Garage, pour annoncer les trois festivals de Savoie qui se sont fédérés en un collectif, qui est le collectif Savoie Jazz Estival. Donc l'idée de ce collectif, c'est de s'unir pour valoriser le jazz sur le territoire et de communiquer ensemble, de partager des informations, de construire une programmation réfléchie et voilà, d'essayer de construire aussi un public jazz pour le territoire de Savoie. Le jazz est une musique multiforme, intemporelle et en pleine évolution, et surtout proposer des nouvelles scène à la jeune génération qui cherche des lieux pour jouer, pour s'exprimer et pour faire évoluer justement la musique. Aussi être dans une sorte d'étalement sur l'été, hein, c'est pour ça qu'on a voulu trouver ce nom d'estival pour Savoie Jazz, c'est parce que on n'est pas liés les uns aux autres, on a des complémentarités libres et assez amicales. On garde notre indépendance, mais on travaille ensemble. Ouais, c'est ça le plus important. On met en commun à la fois nos réseaux, on échange pas mal sur les passions des artistes dans la préparation du festival. On se prête aussi des gens, des bénévoles. Il y a pas mal d'échanges entre ces trois festivals.